On dirait que pour les gens comme moi qui aiment pas trop les tout inclus, c'est comme un enchaînement puis une succession de plus jamais. Mais finalement, la première chose que tu te rends compte, c'est que 2 ans après, t'es à Varadero. Puis 2 ans après, t'es à Cancun. T'es au Coco Bongo. Moi, je fais la crêpe de façon professionnelle. S'il y a une place dans le monde où t'as le droit de rien faire puis personne va te juger, c'est dans un tout inclus. Je suis allé une fois quand j'étais petit, puis 3 fois avec des amis. On est en secondaire 4, on voulait prendre un break. Ça m'a la vie en secondaire 4, là. Wow, les responsabilités! Le Québécois en vacances, c'est imbattable. Il parle fort, il est avec ses chums de gars, il y a un coup de soleil et est en ce moment à Bali pour gagner la maison de rêve. La pire fois, en fait, je voulais juste comme relaxer en chum. J'arrive sur le bord de la piscine, 90 Québécois, chaud mort. Hey! P.Y.! Viens ici! Sac banane, les chaînes en or, les pantalons noirs pis tout, je fais tout. Oh mon dieu, je filais vraiment pas pour ça. Eh oh! Il a soif! Le cliché des gens complètement bourrés, il y en a. Ils dérangent le monde autour d'eux. Suzanne! Amène-moi un hot-dog! Ils oublient qu'il y a des gens qui voudraient peut-être lire tranquillement au bord de la piscine. Là, il a besoin d'un break. Une gang de géo, c'est comme occupation double. Si t'es là pour 6 mois, les chances que tu couches avec une fille qui a couché avec ton ami, c'est sûr et certain. Puis après ça, avec les touristes, il y a eu des fois où que le chef du village me disait genre « Faites en sorte que les touristes soient contents. » L'ambiance dans un tout inclus, c'est toi qui as fait. Tu mets de la 90, tu t'installes à l'ombre. Tu clignes des yeux, puis là, il est 4 heures, là. Ça va vraiment vite. Des fois, petite sieste d'avant souper, puis tu recommences pendant 7 à 10 jours. Ça, c'est des vacances. À la fin, t'es toujours tanné. T'as hâte d'être dans tes affaires, t'as hâte de faire un étron de qualité.